Chers amis, c'est comme ça. Deuxième partie édition aujourd'hui, et c'est sous Jeux Olympiques, 26 juin, 26 juillet, donc dans un mois. Dans un mois, équipe qui a organisé JO 2024, yo pareil pour yo al fait yon bagay grandiose, parce que organisateur yo pas fait yon inauguration qui semblait avec l'autre organisation. Maître à jouer inauguration, cérémonie inaugurale, c'est Thomas Sanjoli. Donc, Thomas Sanjoli, il joint un feu vert, il joint une carte blanche pour que il fait un bagage exceptionnel, un bagage qui sortit de l'ordinaire. Donc, et tout le monde va aller dire waouh, parce que et dans le temps, comment Jeux Olympiques qu'on ont fait, tant qu'on a les défilés, athlète a passé avec un drapeau, il a fait tout, piste athlétique là, athlétisme, donc différentes délégations. Mais cette année, ça va être différent. Et comment il a fait, c'est le long de la Seine, côté pour gagner environ 160 en bateau qui prennent défiler avec athlète et puis après des monde tout le long de la scène après une partie qui a plu ben on l'autre partie et on est obligé de payer pour faire donc 160 bateaux pour défiler le long de la Seine. Seine, c'est un fleuve que et français ont considéré comme cœur de Paris. Donc c'est comme ça, cérémonie ouverture là, qui a une cérémonie unique, qui pourrait faire, et c'est environ 6 km que bateau pourrait déplacer avec un athlète. Donc, ou même qui visitait Paris déjà, donc, c'est ça n'a pas gardé là, c'est un landmark, et la tour Eiffel que tout le monde a aimé visiter. Donc, en cérémonie d'ouverture là, et pour le gagner, et en pile monde, il a compté gagner environ 600 000 monde qui le long de la Seine pour capable participer avec pour événement ça. Et donc en France à recevoir donc du même coup troisième JO donc et c'est après 100 ans c'était en été 1924 que France a été organisé deuxième Jeux Olympiques donc maintenant c'est troisième Jeux Olympiques et la France qui a organisé à Paris. C'est nous connaissons qui s'agit des Jeux Olympiques à représenter. Après, il y a plus que 40 disciplines. Il y a une information qui dit 45, donc 40 ans, 45 disciplines. En tout cas, plus que 30 disciplines qui peuvent aller en organisation JO à Nice qui va aller un gros événement. Ou même qui comptait aller, est-ce que wap nan journée inaugurale là, est-ce que wap le long de la Seine? Mais gagnait une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle là, c'est que tu gagnais répétition qui t'a dû faire et répétition t'es campé parce que t'es gagné vraiment et la scène t'a descendu la scène t'a descendu mais pendant et depuis Paris fin connaît qu'il y a organisé Jeux Olympiques il y a un pile travail qui fait pour essayer assainir rivière là fleuve là pour que trop de déchets, trop de débris, pas venir la dernière parce que on connaît bien des pays qui a pas très piqué, très qui pas d'arrêt pour athlète li aller prendre virus pour lui passer dans l'eau sale. Donc répétition t'es campé parce que t'es gagné la pluie qui t'a venu rivière t'es vraiment descendre à flot. Donc
et plus que 45 ans discipline a participé dans les JO 2024. Yo. A gagné 329 et events pour dans toutes les disciplines. Yo. Et donc en Paris pour lui organiser un événement à nul autre pareil. Donc en près de 8,6 billions d'euros ou bien un peu plus de dollars, 9 billions de dollars, Paris pour capable organiser gros et événement ça. Équipe haïtienne, non, l'a gagné pour y participer la dernière. Non, l'autre édition n'a venu à beaucoup plus de précision pour même pour nous dire qui athlète qui va participer dans la compétition, dans l'événement ça. Et parmi les sports qui plus populaires, qui va gagner pour cap gagner athlète dans JO 2024 là, parmi eux, c'est water polo, volleyball, athlétisme bien sûr, basketball à 5 et à 3, et triathlon. Un triathlon, il y a trois disciplines là-dedans: natation, cyclisme et course à pied. Et ce jeune garçon-là, je parie pour que lui allait participer dans triathlon à Nessa. Donc, ce jeune homme, il a 65 ans, ce breton va faire son premier Ironman au Sable d'Olonne. Donc, monsieur a 65 ans, et lui pour aller faire un bagage nul autre pareil. Peut-être que c'est un record de monde qui est plus âgé qui participait dans les Jeux olympiques. Donc, et on dit que c'est le cœur qui doit être jeune, pas vrai? Donc, à 65 ans, il a préparé lui pour lui participer dans compétition ça depuis 5 ans. Et donc, monsieur senti qu'il est en état, m'a tout encore triathlon, que natation, que cyclisme et course à pied. Et donc, à 65 ans, il y a des athlètes de tout âge. Et monsieur n'est pas effrayé de ça, il va aller participer. Donc, en triathlon lui-même, la fête du 30 ans, juillet au 5 août. 5 août. Donc, nous connaissons, c'est du 26 au 11 août que compétition en lui-même. Donc, et 4 ou 3 jours après, donc triathlon, lui a commencé. Donc, à 65 ans, monsieur Lionel Heusé. Donc, monsieur décide de participer à Nessa dans triathlon après 5 ans que lui a entraîné. Donc, nous disons que gagner water polo, gagner volleyball, gagner athlétisme, gagner basketball, mais moi connais ou même comme Tizé Boule et Waptan, équipe football qui a participé dans JO. Of course, très certainement, gagner football qui a participé à gagner football. Et donc, en un groupe A, la France, États-Unis, Guinée, Nouvelle-Zélande, groupe B, Argentine, Maroc, Irak, Ukraine, groupe C, Uberzinski, Uzbekistan, pardon, Espagne, Égypte, République dominicaine, et puis en groupe D, Japon, Paraguay, Mali, Israël. Donc, c'est équipe ça qui a participé à un niveau masculin. Nous connaissons Nobody Left Behind, mesdames, yo la dan tout. Donc, si y a 16 équipes pour garçons, yo, eh ben, filles, c'est seulement 12 équipes qui peuvent participer dans la compétition. Ça. Et donc, il y a 12 équipes, il y a la France, la Colombie, le Canada, il y a New England, il y a États-Unis, CAF2, l'Allemagne, l'Autriche,
et puis Espagne, Japon, CAF1, et puis Brésil. Et concernant football, il y a une grande dame qui pape dans l'équipe américaine. Hein, c'est Alex Morgan. Alex Morgan qui est deux fois champion du monde et qui était champion Jeux olympiques aussi avec l'équipe américaine. Hein, mais bien, malheureusement, et Alex Morgan, qui va gagner bientôt 35 ans, donc il fait la place aux jeunes. Donc, elle ne sera pas là. L'autre absence de Marc Kenyon dans JO, c'est Mbappé, parce que et Real Madrid dit qu'il n'est pas question pour jouer Lyon, aller participer dans les Jeux Olympiques, les besoins pour les préparer et compétitionner pour voir si elle a succédé à Tetley, pour voir si elle prend l'autre temps. Coupe d'Europe, on l'autre Coupe dans Liga, donc il va aller dans JO et qui finance commande. Donc c'est Real Madrid qui a bien le dessus. Est-ce que et Macron va le faire bras de fer avec Real et nous pas quoi ça fait parce que dit politique pas mêlée dans sport. C'est sous notre ça, moi, je dis merci à tantôt pour une autre édition sport. C'est pas.